Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo en compagnie de Myriam. Yo. Le moment est enfin venu pour Younes de taper son giga tacos. Il a beaucoup parlé, il a dit que ça allait être facile pour lui, qu'il allait faire facilement. Là maintenant, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Tu penses qu'il va réussir ou pas? Moi je pense qu'il va finir la moitié, il va s'arrêter un tout petit peu. Toi t'as déjà fait la moitié toi? Ouais, moi j'ai déjà fait. Il va faire moins que toi? Ouais. Bah dites-nous dans les commentaires dès à présent qu'est-ce que Younes va réussir ou va pas réussir. Et surtout, très important, mettez un pouce bleu les gars. Allez, c'est parti. Les frites elles sont prêtes, maintenant on va s'attaquer au poulet. Regardez, j'ai déjà fait cuire des merguez et de la viande hachée. Mais Myriam, t'as rempli toute la casserole, mais je suis pas Obélix. Là, on va bien tout mélanger. Tu veux voir les frites comment elles sont vite fait? Putain, Myriam, t'es en train de faire une dinguerie là. Tu vas voir? Ça, franchement, je vous recommande la famille, le air fryer, n'importe quelle marque. Attends, c'est incroyable. Moi aussi, je vais me faire un tacos. Hein. Toi aussi, tu veux un tacos? Bah, j'ai faim moi. Vas-y, bah toi, t'auras un tacos normal par contre. Ouais, bah toi, t'auras le big, mais toi, tu vas prendre la moitié, moi, je prends un peu. Le poulet et la merguez, c'est fait. Maintenant, on attaque la viande hachée. Oh. Je sais pas comment tu vas faire, Younes. J'espère que ton estomac fait un trou noir. Mais Myriam, c'est quoi tout ça? Bah, c'est de la viande hachée. T'as mis une vache entière? Non. Vas-y, fais cuire, chucho. J'ai parlé, je vais assumer maintenant. Conseil de Tata Mimi pour adoucir la viande, dernière étape. Alors, déjà, on va commencer par mettre du. Attends, tu veux dire que c'est la dernière étape, je vais manger après? Ouais. Oh là, je stresse. Un peu de épices. Myriam, je commence à stresser. Je peux le faire un autre jour? On n'a pas préparé ça pour Shkibili Dob. C'est qui Shkibili Dob? Tu connais pas Shkibili Dob? Non. C'est lui qui fait Shkibili Dob, Dob. Bien évidemment, c'est moi qui vais m'occuper de son tacos. Il a parlé, il va assumer. Mais les gars, je rigolais. Si, tu peux commencer par mon tacos, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Non, moi je suis studionnaire. S'il te plaît, non, mais s'il te plaît. Fais-lui un mini tacos et après tu me fais mon giga tacos. Un mini tacos si tu veux. Et moi je suis grandement intelligente, vous voyez quand on va au grec. Et ben moi je garde les sauces pour les tacos. C'est vrai qu'elle est intelligente. On la teamera. Déjà, on va commencer par de la sauce parce qu'il faut pas avoir un tacos sec jamais. Non, attends, pause. Prends tes sauces de fast food et laisse ma sauce s'il te plaît. Non, mais moi aussi j'avais dit que je prenais la Biggie. C'est pas de la Biggie, c'est de la burger. Non, tu vas faire un giga toi aussi? Non, un normal. Non, ça va être toi aujourd'hui, t'as parlé, t'as beaucoup parlé, mec. Ouais, je vais assumer. Ok, ensuite tu mets quoi? Là, je vais mettre ça. Vas-y, go. Yes, prends-en beaucoup, comme ça j'en ai pas beaucoup dans mon tacos. Ça doit être ça. Oh, la technique. En vrai, le meilleur tacos, les gars. C'est un taco sans viande avec des frites et des œufs à l'intérieur. C'est le meilleur taco. Voilà, là je t'ai laissé ça comme frites. Déjà, ça fait beaucoup hein, pour toi. Regarde toutes les frites. Oh là là, mais prends-en encore, mon frère. Prends tout. Prends ça un peu. C'est tout. Mélange tout. Et ensuite, du cheddar. Et tu sais pourquoi? Est-ce que tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que ça va fondre. Ah ouais. Attends, mais Younes, elle a tout mis dans son taco. C'est un tacos multicolore. T'as vu? Multicolore. Les tacos des enfants, c'est n'importe quoi. N'importe quoi, Myriam, t'as tout mis. Il manque pas du Nutella là ou du beurre de cacahuète ou non? Il manque juste une banane. Elles sont les bananes. Bon, les choses sérieuses commencent, c'est parti les gars, on va commencer à composer le tacos de Younes. Viens, tu vas lui mettre combien de couches? Bah, normalement, faut en mettre 4, non? Quoi? Wesh. Une ici. Wesh, déjà le tacos, il est mal grand comme ça. Et. T'as beaucoup parlé, hein, Younes, faut assumer maintenant. C'est bon, j'ai compris. Ici. Ton tacos, il va faire quelle taille? Là, c'est impeccable. Maintenant, on va commencer directement avec la sauce. Tu veux quoi comme sauce? Burger. Ok, burger. Avec mayonnaise. Ouais, mayo. Tac, voilà, là il y a pas mal de sauce. Ensuite, on va commencer directement avec la viande. La viande, est-ce que tu préfères que je mette d'abord de la viande hachée ou du poulet? Poulet. Mais mon gars, je vais tout mettre. Hein. Quoi? Pour ça, toi. Wesh. Attends, mais j'ai pas signé pour ça. Ok, viande hachée, tac. Un peu de œufs, un peu de frites. Un peu d'œufs. Les bonnes frites, on les a fait exprès grosses comme ça, elles calent bien, tu vois. Eh, mais calent que par les frites. Bah ouais, c'est la technique. Oh, c'est carré. Impeccable. T'as vraiment cru que ça allait être ça, giga tacos? Non, mais t'es... Ouais. Oh, le malade. Le poulet, les amis, est mental. Mets tout. Ça adoucit le goût, ça adoucit le goût. Tac. Et mort, Younes. Tac. Les rails, on va essayer de le fermer. Si je vois qu'il ferme trop facilement, on rajoute encore. Sinon, on ferme comme ça parce qu'il y a déjà beaucoup de trucs, là. Mais comment ça, tu rajoutes encore? Tu veux rajouter quoi de plus, mec? Surtout, comment, ça arrange. Ah oui. Un tacos ou un Younes? On peut encore rajouter, les gars. Vas-y. On va rajouter de la viande hachée. Comme tu me dis toujours, faut pas faire de gaspillage, hein, Younes. Non, je vais pas gaspiller, mais pourquoi il rajoute ce fou? Aide-moi à rajouter. Vas-y. C'est simple. Qui est le plus fort au foot de la famille? C'est toi. C'est faux. Pourquoi? C'était, faut aller dire Myriam. Myriam? C'est bon, pardon. C'est un tacos ou là, couscous? Bien évidemment, le tacos ne sera pas gaspillé. Younes, il va le finir, même s'il ne finit pas en une fois, il le finira en 4 ou 5 fois. Je vais finir en une fois, c'est bon. Allez, c'est parti, on plie. On va voir. What? Cher, ça plie pas. Cher. Alors là, la famille. Ouh, il pisse
Il fuit. Ah la famille, j'aurais besoin de l'aide de toute la famille pour le mettre dans la machine à tacos, sinon j'arriverais pas tout seul. Je me suis bien chauffé. Ah, moi je prends ce côté là. Ok, moi je prends ce côté là. Tamiram, tu prends le milieu. Attention, pas des pieds. 1, 2, 3. Oh oui, faites gaffe, c'est chaud. Ok, moi je l'ai posé, c'est bon. Non, Myriam. Mais je peux pas toucher le pas, moi. Oh là là, la douille entre Myriam. Bon, ouais, c'est bon, non? Elle a tout déplié, je crois que toute la bouffe elle s'est renversée en bas. La cuisson est terminée. Est-ce que Myriam a gâché le giga taco? Est-ce que je vais pouvoir faire le défi? On va le voir maintenant. Allez. Ok, le haut ça va en vrai. C'est ouvert à droite. Ouf. C'est ouvert là. Là, faut ça faire gaffe. Ça va être chaud. Myriam, viens l'aider. Attends, non, en vrai, je pense que. Ah ouais, c'est à 1, c'est hyper dur. Viens l'aider, Myriam, viens l'aider. C'est un bébé, frère. C'est bon, en vrai, je vais le poser. On va le peser, les frères. Attends, tricheur. Tricheur, il manque quelque chose là, mets-le dedans. A ton avis, Yassine, il fait combien à ton avis? 1,5 kg. Non, moins. 1,2 kg. Ouais, 1,2 kg. Wow. Oh la dinguerie, les mecs. Tu penses que tu vas réussir à le finir? Je sais pas. Ah, il parle chinois, frère. Par contre, c'est une blague, la différence. Regarde, fais voir ton tacos, regardez. Son tacos, c'est un enfant. Ton tacos, c'est un gosse. Dinguerie. Le taco, il est plus grand que ma tête. Avant de commencer, je tiens à dire que la Myriam, elle avait mangé la moitié du giga taco. Elle avait mangé ça à peu près. Si tu manges moins que la moitié, Myriam, elle t'aura battu. C'est impossible que Myriam aime ça. Ça va être quoi ta technique, mec? Alors, j'ai demandé hier aux abonnés qu'on était en live. D'ailleurs, venez vous abonner à Familia Stream. On en a quasiment tous les jours. Tu peux commencer à manger. Attends. Moi, je voulais, avant qu'elle commence, je voulais faire un truc. On dit souvent que Younes, c'est le boss des crocs. Hein, moi, je dis. Faites-nous montrer qui fait les meilleurs crocs. Commence, Myriam. D'abord, la technique, ça a été de ne pas manger. C'est-à-dire que j'ai mangé hier et là, il est quelle heure? Il est 13h. J'ai pas mangé de la journée. Moi, j'ai une technique pour toi. Ouais. J'ai une technique, tu manges doucement. Et les abonnés m'ont dit de manger doucement. Vas-y, Myriam, commence par ton premier croc. Waouh. Elle a 9 ans. Incroyable. Alors, c'est une note de 1 à 10. 9,5. Ok. Et Inès, du coup, fais ton croc. On va voir qui va battre qui. Il est où le croc? Parfait. Je crois que c'est là. Là, il y a que de la pâte, je crois, au début. Ah ouais, la psychiatre. En fait, au début, il va y avoir que de la pâte parce qu'en fait, on a mis 4 pâtes. Attends, le croc, il compte pas parce que j'enlève la pâte vite fait. Bismillah. Mais t'as battu? Non, mais là, ça compte pas. Et t'as battu? Mais je croque la pâte. Ah, ok. Bah, du coup, vous allez recommencer. Alors, elle va recommencer. Hein. Je peux faire mon croc là, vraiment. Attends, d'abord, elle fait le sien. Vas-y, Myriam. Ok. Attends, Younes, on va voir si tu as la pâte ou pas. Bismillah. Wesh! On a un croc, il a tapé le quart du tacos! Non, Myriam, je suis désolé, Younes il a battu Myriam. Par contre, les gars, dites-nous dans les commentaires qui est le plus fort entre Sofiane et Younes en termes de crocs. Parce que Sofiane aussi il fait des crocs plutôt pas mal. Ah non, je suis un ouf, il y a Ramdan aussi! Ramdan, la dernière fois, il avait fait un croc de malade mental! Mais Ramdan, mais qu'est-ce que tu racontes? Incroyable! Ramdan, ils vont quand même découvrir. Myriam, désolé, Younes il t'a battu. Hein, désolé. Et du coup, de 1 à 10, ton tacos, tu lui mets. Ouais, ce que j'allais dire, je vous mets 9,5. Parce que regardez, il est super beau, mais il y a un cheveu. Wallah, il y a un cheveu, regarde. Ah, désolé. C'est le cheveu de qui, ça? C'est à Myriam. Mais il y a des courts cheveux, moi, regarde mes cheveux. Mais j'ai des cheveux plus longs que toi. T'es là, vraiment. Vas-y, on fait taille de cheveux, vas-y, on fait taille. Tu vois, ils sont plus longs, moi, Ils vont là. Ouais, le fromage qu'ils font. Incroyable. Une dinguerie. J'ai parlé, les gars. J'ai dit que j'allais finir Giga Tacos. Je vais vraiment le finir. Inch'Allah. À ce moment-là de la vidéo, les gars. Faites pause et dites-nous dans les commentaires est-ce que Younes va le finir ou pas. Il y a un clown dans le tacos. Faites vos pronostics. D'ailleurs, j'ai besoin de vos likes. Dis-leur que c'est important de mettre des likes. Les gars, à chaque vidéo qu'on fait, on remarque qu'il n'y a pas beaucoup de likes. C'est pas normal, les gars. À chaque fois que vous venez sur une vidéo, mettez un like et abonnez-vous. C'est important, les gars. Ça nous soutient de malade mental. Donc faites-le. Je compte sur vous. Mettez un petit like. Je me régale. Myriam qui est déjà à la moitié de son tacos. Hein. Oh, le cheddar qui a fondu, Myriam. Ça lui fait une sauce fromagère. Incroyable! Ça valait le coup de pas manger. Non, mais là c'est normal, t'es dans les crocs de découverte. C'est-à-dire, t'as vu là, t'as faim, t'as fait plaisir. Mais quand tu vas être dans les crocs de mode ça y est, je suis calé, c'est là que ça va être dur. Par contre, j'ai vu des mecs qui faisaient quoi? Ils prenaient genre une fourchette, ils retournaient la pâte et ils mangeaient que la garniture comme ah ça. Ah non, les gars! C'est une compote ou ça? Ah non, les gars, et vous mangez un taco, c'est pas avec une fourchette, les gars, je suis désolé. Ah là, j'ai la meilleure partie théma ici là. Wow. Que de la base! Que de la base, mon gars! Que de la viande! Oh la dinguerie. Myriam, il est bientôt à la moitié. Tu sais que là il a fait bientôt ce que t'as fait. Explique pourquoi on n'a pas pris un haut tacos. Donc pourquoi les gars on n'a pas pris un haut tacos? Bah parce que haut tacos, en fait le giga tacos de haut tacos, ça existe plus les gars, ils l'ont arrêté. Le giga tacos, il faudrait la taille de moi, je pense qu'ils l'ont arrêté parce qu'ils étaient en perte. Il y avait trop de mecs, ils venaient, ils finissaient, ils payaient pas. Moi, je pense que c'est plus parce que c'était dangereux. Mais parce que aussi, le giga tacos, il faisait la taille de la suite aussi. Genre, c'est pas très nutritif et tout. Genre, frère, tu manges des gros bim. Wesh. Ça va? Il y a un poulet vivant. Wesh.
Qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas, il y a un bout, il est monté tout seul ici. Il voulait sortir. Wesh. Mais reste là, ça va bien se passer. Allez dire, vous mangez des gros Big Mac et tout, et ça, vous allez me dire, c'est un danger pour la santé. Big Mac, c'est tout petit. Waouh. Il est presque à la moitié, les gars. La sauce burger Yacine. Waouh. Attends, mais Myriam, tu te fous de moi? Quoi? Vous avez mangé le tacos en même temps. Younes est à la moitié de son tacos, toi aussi, t'es à la moitié de ton mais tacos. Mais c'est pas une course, là. C'est pas une course. Bah oui. Ah, d'accord. C'est vraiment pas une moi, course. Moi, je t'avoue, j'ai faim. Ah d'accord, pas de problème. Après on a un live à faire, ça va être une masterclass. Ouais. Oh bon, le poulet c'est la vie. Le poulet c'est cocorico. Là c'est quoi qui est le plus bon dans votre tacos? L'ingrédient, le meilleur ingrédient c'est quoi? Moi c'est la sauce burger. Avec la viande c'est une dinguerie. Et toi Myriam? Mais là je sais pas comment faire pour manger. Sauce barbecue? Comment je fais pour le manger là? Bah soulève-le, mets-le en i, mets-le en i. Je mets en i. Après même s'il y a des bouts de viande qui tombent, tu les mangeras après, c'est pas grave. Tu le mets en i. Voilà, et là tu le termines frère. Waouh, incroyable. Il y a pas trop de pâtes, ça va? Non. Quoi? T'as la rage. Je crois que j'ai la rage. Après, ce qui est dur dans un gigatacos, les gars, c'est qu'on mélange tout en fait. C'est genre, tu fais un gigatacos et tu mets que un ingrédient, genre l'ingrédient que tu kiffes le plus, je pense que ça va passer. Mais là, tu dois mélanger merguez, tu dois mélanger viande hachée, poulet. Hey, mais les œufs, c'est un banger. Hein. Les œufs, c'est un banger, les œufs. Hein. Oui, je sais. C'est un banger de ouf. Hey, testez, les gars. Chez vous, faites des tacos aux œufs, vous allez kiffer. Vous faites chauffer une omelette, vous mettez un peu de curry par-dessus avec des frites, du fromage, vous mettez ça dans votre tacos sauce. Mayo samouraï, oh là là. La Myriam, elle avait mangé ça, la Myriam. Ouais, la Myriam, elle s'est arrêtée là. Exactement, ouais. Si, elle s'est arrêtée là, Myriam. De mytho, frère. Non, tu t'es arrêté là, je m'en rappelle. Là, elle s'est arrêtée là. Là, t'es comment pour l'instant? C'est quoi ton ressenti? Mais là, est-ce que t'as, genre, tu commences à être calé? Non, ça va. Ça va? Là, je suis et bien. Moi? Toi, t'es comment, toi? Je suis normale, on dirait que j'ai rien mangé. Par contre, après, il va me falloir une bonne boisson gazeuse. Tu vois, là, il reste que de la viande là, c'est-à-dire que je tape que la viande là. Là, je peux pas mettre la pâte. À part si je prends de la pâte d'ici. En vrai, je prends de la pâte et je fais ça. En fait, la seule chose dure pour l'instant, c'est que je sais pas comment le manger. Non, là. Mais par contre, là, vous pensez qu'il va le finir parce que c'est à la moitié, mais je vous promets qu'il est blindé de ouf là encore. Ouais, là, genre en mode, il a, je pense qu'il a fait le plus facile. Là, il reste le plus dur, les gars. Mmh. Parce que là, au milieu, il y a tous les. Parce que dites-vous, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout assez au milieu. Et au milieu, il y a toute la viande qui est par-dessus comme ça, c'est-à-dire que ça va être chaud le milieu. On a le même viande que la taille. Là, c'est le même. Non, c'est pas, non, là, en vrai, c'est pas le même. En vrai, si tu tapes le milieu et t'as encore un peu faim, je pense que tu vas le finir. Parce que le milieu, c'est le plus dur. Tu vois, c'est là où il y a toute la viande et tout. Par contre, les frites, quand je tombe sur la pomme de terre, je vais pas prendre des grosses frites, frère. Ah, c'est fait exprès, mec. Moi, j'ai fini. La dernière fois, il a parlé. La dernière fois, il disait à Myriam, ouais, moi, je vais le finir. T'es nul, je sais pas quoi. Bah, vas-y, maintenant, finis-le. Moi, j'ai fini le milieu. T'as fini le milieu? Ah, bah, toi, t'es chill. Là, t'es comment? T'as encore faim, toi, Myriam? Ah, là, ouais. Là, vous vous dites, arrête de manger vite, mais wallah, c'est ma vitesse habituelle. Non, mais encore là, il va pas vite. Je sais pas, je sais pas manger vite. Genre, là, il parle, là, les gars. Là encore, il parle. S'il y aurait pas la caméra, il parlerait pas, il aurait déjà fini, je pense. Si on fait la caméra, il aurait une vidéo. Quoi? Mais on comprend rien, arrête de parler la bouche pleine, c'est mal pour moi. Je me rappelle quand j'allais au grec avec mes potes, toujours je finissais en premier. Mais mes potes, toujours ils étaient en train de manger, ils étaient à la moitié de leur grec, moi j'avais déjà tout fini mon grec. Pareil. Et rien, ils disaient, mais tu manges trop vite. Bah en fait, quand t'as faim, tu manges, c'est normal, tu parles pas. Tu vois, là, ils se cassent la gueule. Et en fait, je me laisse lui manger, tu regardes une vidéo en même temps. Mais c'est ce que je vais faire, je vais manger l'arrière. Mais non, faut que tu manges le milieu, c'est là le plus dur. Après, il y a tout qui va se casser. L'arrière, c'est grave facile, il y a rien à l'arrière. Ah ouais. Faut que tu tapes le milieu. Au pire, soulève-le et la viande qui pend, genre en mode tu la mangeras plus tard. Genre, regarde, tu le prends comme ça, comme Myriam. Prends-le comme Myriam, comme ça. Et laisse la viande tomber, c'est pas grave. Tu penses? Ouais, t'inquiète, fais-moi confiance. Voilà. Et là, tu tapes tout ça et la viande qui est par terre, tu la mangeras à la fin si t'as encore faim. Voilà, là, laisse-le comme ça. Eh, en vrai de vrai, il peut le finir, les gars. Non. C'est normal, regarde, mais ta couche, tu fais ça. Est-ce que toi, t'as trop la rage parce que tu l'as pas fini et lui, il va le finir? Non. Okay, en vrai, dans un humain normal, il se serait arrêté là. Ah, toi, t'as plus faim du coup. Ça veut dire qu'il a plus faim. Mais en mode, là, c'était la portion pour un humain normal. Là, on rentre dans l'abus. Là, c'est quand t'abus, je continue à manger. Mais là, tu sais que si tu te forces, t'aurais grave mal au ventre. Non, pour l'instant, ça va, alhamdoulilah. Je suis calé à 55%, on va dire. Ah, c'est-à-dire que t'as la moitié. Oh, il veut dire, il peut. Oh, la dinguerie, il peut encore manger la moitié, ça veut dire. Par contre, j'ai un peu soif, est-ce que je bois? Ça, c'est à toi de voir, je sais pas. En vrai, moi, je pense que tu bois que si t'as un truc bloqué dans la gorge ou t'as la gorge sèche ou un truc comme ça. Ok. Mais si, genre, c'est vraiment pas dans l'abus, ça sert à rien de boire. Ou ouais, peut-être une ou deux gorgées, genre. En fait, t'as vu, je suis obligé de le finir parce que j'ai trop parlé. J'ai trop parlé, frère. À chaque vidéo, je dis, j'éteins tout le monde, des gros crocs. Il me faut des rêves. Ça veut dire, là, dans chaque pièce, même chaque vidéo, quand je vais dire, t'as vu, quand j'ai fini Gigataco, ça serait une bonne rêve. Ah, j'avoue. Il faut une rêve. Non, mais si je finis pas maintenant, je peux finir ce soir. Mais Myriam, tu sais que Younes, il t'a rattrapé là, vous êtes à la même portion, je crois, pour bientôt. Alors, madame, elle dit, je fais des meilleurs crocs que Younes. Ça m'étonnerait. Hein. Dors, va dormir. Je vais avoir de l'eau, en vrai, je vais boire un peu, les gars. Hein? J'espère que c'est pas une erreur. Comment? Tu sais que t'as le droit de parler, hein, mais c'est pas. Et toi, quand est-ce que tu fais un tacos? Moi, je suis malade, je peux pas. Si je mange ça, je vais à l'hôpital. Est-ce que t'as déjà mangé un otakos, genre avant d'être malade? Non, otakos, je mange jamais des otakos, j'aime pas. Moi, je prends toujours les tacos des Grecs. Parce qu'en fait, otakos,
ils faisaient pas. Moi en fait, ce que j'aimais bien, c'est la viande chicken curry, tu vois. Et eux au tacos, ils faisaient escalope nature. Voilà. Eux au tacos, ils faisaient escalope nature. Et moi, j'aimais pas l'escalope nature. Moi, j'aimais bien la viande chicken avec l'épice curry. Eh, moi, je suis pas normal. Moi, quand je bois de l'eau, je suis moins calé. Il va le finir. Wesh, Myriam et Younes, ils ont la même portion. What? Il t'a rattrapé de ouf. Là, c'est bon, je suis calé. Ah, ça y est, t'es calé. Calé. Du coup, c'est comment? Tu fais quoi? Je continue, frère. J'ai parlé déjà. Je parle. Mais si t'es calé, elle va pas te forcer, frère. Non, mais je suis calé. Mais en mode, je suis calé à 95%, il me reste 5%. Ah, moi, je serais toi, je me serais pas forcé. Hein. Ouais, comme ça, vous allez me traiter. Ouais, c'est autre. Non. Mais là, me dis-lui, il peut s'arrêter, on va pas le traiter. Hein. Faut prendre des risques sur ta santé. Bah ouais, c'est ça. Gili, 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 gili. Ça va le faire, ça va le faire. Ok, ok, bah je crois qu'il est résigné, les gars. On n'est pas des faibles ici. Un homme résigné, tu peux pas lui faire changer d'avis. Pense au ramadan quand t'as faim, pense. Par contre, il tape des crocs, c'est incroyable. Hein. Il tabasse. Attends, ça veut dire que là tu vas prendre 1,2 kg. Waouh! En un repas, tu prends 1,2 kg. Ah, regardez, ils ont la même portion, faites la taille! Ils ont la même portion! Là, en vrai de vrai, regardez, s'ils échangent, si vous échangez votre portion, je crois que Myriam, t'en as plus que Younes. Il a tabassé un giga tacos plus vite que Myriam un tacos S. Wesh! Myriam, il a tabassé un giga tacos plus rapidement que toi, t'as tabassé un tacos S. Quand j'ai un tacos. Oh la dinguerie! Attends, par contre, faut que tu finisses les bouts de viande, sinon ça compte pas. Il faut finir les bouts de viande, sinon ça compte pas. Moi, je défie. Les gars, je défie une personne. Là, vous avez vu, Younes, il a fini son gigatacos. Enfin, il a pas encore fini, mais il va bientôt le finir. J'attends qu'il finisse, après, je vais défier une personne. Parce que là, il faut remettre les pendules à l'heure, les gars. Là, pour l'instant, Younes, il va devenir l'homme le plus chaud de la famille en bouffe. Là, pour l'instant, il va devenir l'homme le plus chaud de la famille en bouffe. C'est officiel. Je défie Monsieur Sofiane à relever le gigatacos. Si Sofiane ne réussit pas à terminer le gigatacos, Younes sera élu l'homme fort de la famille. Théma, il a fini, wesh. Il a fini. Tu te sens comment là? Non, j'en veux pas, c'est bon. Tu te sens comment? Là, les Rey, je vais plus manger de tacos pendant un an. Très très bien mangé. Je suis calé depuis tout à l'heure, hein. Mais j'ai parlé. Quand tu parles, un vrai désir, il assume. Un vrai homme, il assume. Attends, mais ça veut dire que là, les gars, vous vous rendez pas compte de la performance. Il a tapé un giga tacos de 1. Et de 2, il a tapé un giga tacos plus rapidement que Myriam. Elle a tapé un tacos S. Wesh, explosez-moi cette barre des likes. Abonnez-vous, ceux qui ne sont pas encore abonnés, ça mérite. Parce que c'est vraiment une dinguerie. Et les gars, taguez dans les commentaires, on veut voir Sofiane. Je veux voir tous mettre ça dans les commentaires. On veut voir Sofiane. Je vous dis la vérité, je l'ai fait pour vous. Vous m'avez grave motivé. Vous êtes tous les jours là à nous donner de la force. J'étais obligé de le faire. Du coup, tu deviens le boss des Halleuf. C'est Younes, les gars. Le boss des Halleuf. Pas qui Anma, c'est moi, les gars. Voilà, famille, on va vous laisser là. Myriam, c'est quoi tes impressions par rapport au tacos? Tu l'as même pas fini. En fait, elle je vais le finir ce soir. Elle a été dégoûtée parce qu'elle a trouvé des trucs gluants dans une merguez. Ok. N'hésitez pas à mettre un gros like, la famille. Et voilà, je l'ai enfin réussi ce giga tacos. Ouh. Allez, ciao.